Alors la Transest, c'est un défi qui a pris naissance il y a 19 ans, lorsque quatre frères et une sœur ont décidé de parcourir en relais la distance qui sépare donc l'un des frères qui est venu habiter en Isère de la maison familiale qui se trouve en Moselle. Et donc ils se sont réunis ainsi que leurs épouses pour organiser ce relais donc en course à pied, en vélo et en roller. Et donc cette année, 19 ans plus tard, les cousins, donc c'est-à-dire la génération d'en dessous, décident de reprendre le flambeau. Donc cette deuxième édition, elle aura lieu le week-end du 1er mai. On va partir de Saint-Didier de la Tour, nous sommes 11 participants. Donc 8 cousins, cousines et 3 pièces rapportées, c'est-à-dire des conjoints. Nous formons 2 équipes et chaque équipe va prendre son relais. Chaque personne va parcourir la distance qui lui est attribuée, soit en vélo, soit en course à pied, soit en marchant. Voilà, tout ça se déroule sur 34 heures. Nous partons le vendredi 1er mai au matin pour arriver le samedi en fin d'après-midi. Et c'est un relais non-stop qui se déroule également la nuit.